Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Gugus le Fun et je suis ravi de vous accueillir dans cette vidéo exceptionnelle de reprise des vidéos justement. Et oui, nous sommes enfin le 9 septembre. 9 septembre, date annoncée depuis des mois, depuis des décennies, que vous attendez tous, que j'attends tous, je l'attends tous cette date pour reprendre enfin les vidéos. J'ai dû patienter, hein. J'avais annoncé ça il y a longtemps. Ça n'a pas été facile d'attendre jusqu'à cette date. D'ailleurs, vous avez vu peut-être sur YouTube et tout, il y a des vidéos. En fait, c'était live. Je suis venu reprendre un petit peu comme ça, furtivement, histoire de. C'est pas vraiment des vidéos, c'est des lives, donc ça compte pas. Les vidéos, ça reprend aujourd'hui, le 9 septembre, et du coup, c'est une petite vidéo de reprise avec pas de contenu réel. Alors. Du coup, j'ai 2-3 trucs à vous dire dans cette vidéo quand même, hein, pas de juste dire coucou, je reprends, ciao, bye bye, bonne journée à tous, c'est fini. Non, je vais essayer de faire assez succinctement. Je ne sais pas très bien le faire, mais je vais essayer. Donc voilà, j'ai prévu plein de petits points à aborder. Déjà de vous dire qu'aujourd'hui c'est la reprise des vidéos, mais ça je viens de le faire à merveille, je pense. Alors juste vous dire un petit peu moi où j'en suis, pourquoi j'ai attendu le 9 septembre, etc. Avant la fin de l'année scolaire, donc genre mai-juin dernier, j'avais mon concours de professeur des écoles à passer. Ceux qui ont continué de suivre mes vidéos le savent et savent que j'ai réussi le concours avec succès. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est cool, j'ai réussi le concours et j'ai commencé cette année à travailler en tant que professeur des écoles au niveau des moyennes sections de maternelle. J'ai 2 classes, une le lundi, une le mardi, et le reste du temps je continue à la fac pour cette année. Ce n'est que l'année prochaine que je serai à plein temps. Donc voilà, les études ça continue, le jeudi, vendredi, le lundi, mardi, avec des petits de 4 ans à qui je raconte des histoires, j'apprends à écrire leurs prénoms, des choses comme ça. C'est plutôt fun, c'est marrant, ça change, mais c'est sympa. J'ai travaillé pour et je suis content d'avoir réussi. Je suis dans un nouvel appart également. J'ai déménagé depuis début août. Je suis en colocation sur Lyon et grande nouvelle. Donc déjà tout l'intérêt c'est que je suis tranquille, je suis plus chez mes parents. Je suis autonome financièrement, je suis autonome sur plein de choses, c'est plutôt cool. Et surtout, c'est pas de l'autonomie, rien à voir, mais j'ai la fibre optique, et ça vous change une vie. C'est notamment pour ça que j'ai fait quelques lives, c'était pour tester la fibre, et ça marche plutôt pas mal du tout. Donc attendez-vous à ce que la fibre m'aide pas mal. Et sinon, à côté, je continue le foot, le théâtre et le scoutisme le week-end. Donc, vous voyez que je vais être bien chargé. Je vais être bien chargé et je vais être honnête, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Ma chaîne YouTube n'est pas ma priorité. C'est très important, je me fais plaisir, je m'éclate, mais c'est pas ma priorité. Donc, juste le seul petit truc à comprendre, c'est que ce sera peut-être pas le rythme que j'avais pu avoir à une certaine époque où il y avait 2 vidéos par jour. Je vous garantis pas ça. Le rythme, il va se mettre en place au fur et à mesure. On va en parler juste après. D'accord, d'abord, je voulais vous dire quelle vidéo va-t-on retrouver sur la chaîne YouTube. Alors, je vais pas vous dire tout ce soir, déjà parce que je ne sais pas tout encore. Ça va se décider au fur et à mesure. Mais j'y ai réfléchi un petit peu. Le but, c'est bien entendu de retrouver la série Les Massacres au Coliseum. Ça, c'est la base de la base. C'est la série qui m'a fait connaître, une des séries les plus longues de Coliseum sur YouTube. Donc j'y tiens, elle me tient à cœur. J'ai vraiment envie d'atteindre les 200 Coliseum. Donc vous voyez, je crois que j'en suis à l'épisode 142. Il me reste un petit peu de marge encore. Il va falloir aller taper du gros. Mais on le fera, il n'y a pas de souci, avec mon Sadida notamment, et peut-être d'autres personnages de ma team. Inutile de demander, mais dis donc, Guillaume, pourquoi Guillaume, n'importe quoi, voilà, vous voyez, je suis plus dans ma chaîne encore, voilà, écoutez mon prénom, Guillaume, waouh. Dis donc, Gugus, pourquoi tu ferais pas, moi j'ai une super idée, pourquoi tu ferais pas, tu prendrais pas 3 personnages de ta team pour aller en Coliseum? Eh bien, non, je ne ferais pas ça, puisque je suis contre le Coliseum en team. Voilà, c'est dit, c'est fait, voilà, on ne revient pas dessus, ce sera toujours comme ça. Pas de souci pour que je joue avec plusieurs personnages, mais séparément. Du coup, à chaque Coliseum, vous verrez des personnages différents, ou toujours le même, mais à chaque fois un seul. Et ce que je vais essayer de faire,
je commence à connaître un petit peu du monde sur Curie, des niveaux, notamment des niveaux 200, c'est ce qui me semble le plus intéressant. C'est pour ça que vous verrez surtout mon style à jouer, même s'il n'est pas encore totalement optimé, mais ça viendra au fur et à mesure des mois, des semaines, etc. Je vais essayer de jouer en équipe préformée, et du coup, pourquoi pas sur Skype également, que vous ayez les commentaires en live de nos actions, de ce qu'on fait, pourquoi on fait ça, tiens, pourquoi on pense ça, tiens, tu ferais peut-être jouer ça, non, bah non, t'es con, ah bah oui, j'avais pas vu. Voilà, tout ce genre de commentaires qui sont assez amusants à suivre, etc. Des nouvelles aussi, vous en aurez de la Funky Team qui s'est étoffée. Je sais pas si vous avez suivi les lives, elle s'est étoffée. Ils sont désormais 8. J'ai rajouté 2 nouvelles classes. Je vous laisse jeter un œil au live pour voir ça. Et donc j'ai désormais 6 persos complètement, c'est un bien grand mot, mais stuff. Et 2 persos en full sasa qui sont en train de remonter. Ils sont déjà niveau 114, je crois. Et ils sont en train d'essayer d'atteindre le niveau 180 pour rattraper les autres. Et là après j'aurai ma team de 8. Alors bien sûr, vous savez, les camas, tout ça, bon, c'est pas facile, hein, tous les jours. Eh bien, au fur et à mesure, on essaiera de rendre cette team la plus forte possible, même si vous me direz, pour le moment, c'est pas encore tout à fait ça. Et, aussi, je voudrais revenir sur le concept de vidéo fun, parce qu'en fait, la chaîne, elle s'appelle Gugus le Fun, et tant qu'à faire, j'aimerais faire des vidéos fun, c'est-à-dire des vidéos. Alors, je sais pas si vous connaissez une vidéo que je vous conseille, vraiment, je vous la conseille, une vidéo présentée par Jean Goethe, le chasseur de tofu. Et ça c'est le genre de vidéo que j'aimerais faire un petit peu plus, ou même, enfin plus de fun. Je vais essayer de trouver des concepts, reprendre des... J'ai plusieurs idées en tête pour que ce soit fun, d'utiliser Dofus et de faire des dérivés qui soient plutôt marrants. Quel but ? Un peu de fun, un peu de rigolade, de franche rigolade. Ça peut être sympathique. Et d'autres séries surprises, bien entendu. Surprise pour moi aussi à l'heure actuelle. Hein, je ne sais pas encore. Ce que je vais faire. Si j'ai quelques idées, mais on verra au fur et à mesure comment ça se présente, etc. Faut que je reprenne aussi le jeu, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Et il devrait y avoir des vidéos d'autres jeux vidéo. J'ai longtemps hésité, est-ce que je fais une chaîne secondaire pour les autres jeux vidéo que j'avais envie de présenter. Et étant donné mon critère de priorité, je vais pas réussir à gérer 2 chaînes, et pourtant j'ai vraiment envie de vous présenter d'autres jeux vidéo. Donc c'est vrai que de base j'étais contre, je voulais garder ma chaîne exclusivement Dofus, et bien ce ne sera pas le cas. alors elle sera principalement Dofus, ça je pense que ça ne changera pas. J'ai plein de choses à vous montrer sur Dofus, avec la Funky Team, les Massacre Coliseum, les nouveautés, les news, plein de choses, plein d'idées, des vidéos fun, mais également d'autres jeux. Donc à ceci j'ajoute, retenez bien la question, si jamais vous avez des jeux que vous aimeriez me proposer, après moi je sélectionne, hein, je fais un petit peu ce que je veux. Déjà prochainement je pense que vous allez pouvoir retrouver du Hearthstone. C'est pas très original, vous me direz, mais je m'éclate bien dessus, ça fait des parties relativement courtes et c'est vraiment sympathique. Donc il va pas y avoir une affluence de vidéos Hearthstone, hein, vous inquiétez pas, ou inquiétez-vous si vous allez jouer ça, je sais pas, mais quelques-unes pour vous montrer un petit peu comment je joue et m'éclater, parce que il y a vraiment moyen de rigoler avec. Et d'autres jeux vidéo, peut-être du Dishonored, des choses comme ça, des let's play, et n'hésitez pas à me suggérer des idées, comme ça me permet de voir un petit peu aussi ce que vous pouvez attendre, et essayer de me calquer un petit peu dessus, sachant que de toute façon je ferai que ce que j'ai envie de faire, mais c'est sympa d'avoir vos idées. Donc sur le rythme des vidéos, c'est dur à déterminer, je peux pas vous dire combien il y aura de vidéos par jour, tous les 2 jours, tous les 3 jours, on va voir ça. Déjà demain mercredi il y aura une vidéo, histoire de reprendre, enfin je vais essayer, je suis pas mal chargé, sinon ce sera jeudi, mais voilà, je vais essayer d'en faire une tous les 2-3 jours, voire plus, suivant le temps que j'ai. Il y a plein de choses qui se mettent en place pour moi en ce début d'année, donc il y aura des vidéos, pas de rythme précis pour le moment. Si à un moment donné j'arrive à déterminer un rythme précis, je referai les plannings de la semaine qui sont bien sympathiques. Et sinon des lives. Oui, il y aura des lives. Déjà, mon Sadida, pour information, attention, mon Sadida est niveau 199 à 89 ou 90%. Donc, c'est vraiment très très bientôt le niveau 200. Donc, d'ici fin septembre, début octobre, il y aura un live, mais alors de classe internationale, pour le up 200 du Sadida, avec des animations, des jeux, des châteaux gonflables, tout plein de trucs de partout. Ça va être pumped pour all night long. Ça va être trop trop bien.
Mais ça, je vous en parlerai dans les vidéos. À chaque fois, les lives seront annoncés. Vous inquiétez pas, il suffit de suivre les vidéos, tout simplement. Et bien voilà, donc les lives, ils seront parfois annoncés, parfois pas. En gros, quand c'est un live que j'ai envie de faire spontanément comme ça, c'est pas annoncé. S'il est un peu préparé avec des quiz, des jeux, des animations, etc., c'est annoncé. Donc, de toute façon, vous suivez la chaîne YouTube et vous êtes au courant. Sur Twitter également, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Gugus Le Fun. Là, j'annonce également en direct live les lives. Justement, je dis attention, c'est parti, je fais un live. Voilà. Mais ce sera pas forcément très très souvent. On verra ça. Moi, je vais avoir terminé ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous êtes heureux, tout comme moi, de la reprise. Et puis, de toute façon, là, il va falloir que je coupe la vidéo, que j'arrête, parce que mon collègue va vouloir se coucher, il est 23h41, la veille de la reprise, le 9 septembre. Il fallait que je prépare cette vidéo, parce que je ne suis pas libre le soir du 9 septembre, forcément. Ça ne pouvait pas tomber mieux, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que vous êtes au taquet, prêt à reprendre les vidéos, à reprendre le jeu, à reprendre plein de fun, d'humour, d'aventure, etc. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, plein de bonheur, bon jeu et vive Dofus. Ciao, ciao tout le monde.